Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo. Nous allons faire du poulet au citron. Donc c'est une recette qui est déjà enregistrée sur le club de Guy de Marle ou dans la e-cooking. Donc on va la faire en mode pas à pas ensemble pour vous faire découvrir une fois de plus le fonctionnement de notre super robot. Pour la recette, on aura donc besoin de 2 gousses d'ail coupées en deux dégermées, de 200 g d'oignons, un gros oignon, il ne fera pas exactement 200 g mais c'est pas grave, de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, de 4 cuisses de poulet, d'un citron bio, donc non traité, parce qu'on va récupérer son zeste et le jus du citron, d'un petit peu de persil, 4 petits brins de persil, de l'eau, il faudra 150 g d'eau, ensuite il nous faudra des épices, donc on aura besoin de cumin, une cuillère à café, de paprika, une demi-cuillère à café, de curcuma pour une demi-cuillère à café aussi, et un tout petit peu de cannelle. Un quart de cuillère à café, ils disent dans la recette. Donc bon, une pointe de couteau. On aura aussi besoin de pistil de safran. Donc 4 pistils de safran, c'est marqué dans la recette. 2 poivres, 2 sel et d'un demi-citron confit. Alors moi, il est tout petit, mon citron confit. Donc je l'ai mis en entier. Puis j'aime bien le citron en plus. Donc voilà, je vous ai présenté tous les ingrédients. En avant pour la recette. Première étape, mettre les 2 gousses d'ail suivant et les 200 g d'oignons. Donc comme je vous ai dit, moi, il fera un petit peu moins de 200 g mon oignon. Mais c'est pas grave. Confirmé, on met le gobelet et on confirme. Confirmer quand c'est fini. Donc là, ajoutez l'huile d'olive, donc 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc une et deux. Suivant, confirmer. Donc là, on fait revenir les oignons pendant 5 minutes en fonction S, fonction rissolée, à 110 degrés. Donc, pendant ce temps, eh ben, je prépare déjà les zestes de mon citron. Donc j'utilise la râpe à gingembre. Je la trouve hyper pratique pour les zestes. Ça ne fait pas des gros zestes. Moi, perso, j'aime pas les gros zestes. Donc je trouve que avec cette râpe, c'est parfait. Après, on tourne. Alors pourquoi je tourne? Je vais vous montrer. Parce que quand on ouvre, là vous voyez, il y a la petite raclette qui a ramassé tous mes zestes. Voilà. Étape terminée, confirmée. Donc ajoutez les cuisses de poulet, le zeste et le jus d'un citron. L'eau, les épices, le persil équeuté, le sel et le poivre. Faire cuire 25 minutes à 100 degrés, vitesse 2. Donc on ajoute les 4 cuisses de poulet directement dans le bol du robot. Alors c'est la première fois que je fais ça. Jusqu'à présent, j'avais encore jamais fait une recette où on incorporait directement les cuisses comme ça. Donc j'espère que ça va rentrer tout de même. Suivant, donc le jus d'un citron et le zeste. Donc le citron, je l'ai coupé en deux. Je me sers du presse-agrumes. Hop. Les 4 brins de persil équeutés. Suivant. 150 g d'eau.
trop, non, c'est bon. Une cuillère à café de cumin moulu. Donc une cuillère à café. De cumin. 4 pistils de safran. Une demi-cuillère à café de paprika. Voilà. Une demi-cuillère à café de curcuma. Voilà, la moitié qui tombe à côté, donc voilà, ça doit faire une demi. Et un quart de cuillère à café de cannelle. Donc autant vous dire, pas grand chose. Voilà. Une cuillère à café de sel. Donc dans la recette, 4 pincées de poivre, et ben moi ça sera 4 tours de moulin. On va mettre le couvert. Donc comme d'habitude, pour pas abîmer la balance, on soulève le bol et on fait la pince pour fermer. Si on n'a pas le coup de main, on enlève le bol du robot. On le ferme et on confirme. Et donc là, c'est parti pour 25 minutes de cuisson à 100 degrés. En rangeant, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre mes zestes. Donc je les rajoute maintenant. Hop, voilà. Voilà. On repart. Donc, vous voyez, hein, même si on oublie et qu'on s'arrête en cours de cuisson, on peut repartir. Le poulet est bien tout cuit, donc je vais faire l'étape d'après. Il va falloir ajouter le citron confit finement émincé. Donc je vais l'émincer à l'aide du tornado. Voilà mon citron confit émincé. Je vais enlever les pépins. Étape terminée, confirmée. Donc ajoutez le citron confit finement émincé et les olives noires, donc c'est facultatif les olives. Chez nous on n'aime pas, donc je n'en mets pas. Je referme. Suivant, donc les olives, j'ai dit que je ne les mettais pas et donc c'est reparti pour une minute à 100 degrés. Étape terminée, recette terminée. Hop, on ouvre. Attention, c'est chaud. Je vais débarrasser ça dans un plat. Vraiment là, c'était la première fois que je faisais cette recette. Hein. C'est la première fois que je fais cuire des cuisses de poulet directement comme ça dans le bol de la cooking. Et ben, en tout cas, elles sont cuites. Je vais pas vous cacher que j'étais un petit peu sceptique parce que mettre les cuisses de poulet entières dans le bol du robot, j'étais pas sûre que ça rentrerait, j'étais pas sûre que ça cuirait correctement. Voilà mes cuisses de poulet au citron. Vous trouverez en bas de la recette, en description comme d'habitude, tous les ingrédients nécessaires, le lien de la recette, le lien de la boutique Guy de Marle, le lien avec le matériel utilisé, tous mes réseaux sociaux. Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker et partager cette vidéo. Ça ne vous coûte pas grand-chose et moi, ça m'aide à me faire connaître et à développer mon activité professionnelle. Voilà, donc maintenant, à vous de jouer et de vous régaler. À très vite!